Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouveau programme, on va faire un renforcement au niveau des pecs et des épaules. Alors, c'est un programme qui est basé sur ma formation. Clairement, comme tu le sais, actuellement, je fais une formation où j'ai beaucoup de physique à faire. Et là, voilà, je travaille un peu de mon côté en renforcement et je te partage une séance renforcement qui peut être très efficace. Si par exemple, tu es en club, tu fais du sport en club, que ce soit en solo ou en groupe, et tu as besoin d'être beaucoup plus fort, c'est important. Si tu veux te tracer un peu plus, c'est important. Si tu veux être plus en forme, un peu plus en forme, c'est important. Ok? Par contre, si tu veux faire une prise de masse, là, si tu es débutant, tu vas prendre un peu de masse. Parce que tu fais n'importe quoi quand tu es débutant, tu prends de la masse. Mais au bout d'un moment, sur le long terme, tu vas pas prendre de la masse. D'accord? Donc, c'est vraiment un programme pour être beaucoup plus fort, beaucoup plus performant et plus endurant, parce qu'on va travailler en endurance musculaire aussi, d'accord? C'est un programme qui sera court, 5 exercices, mais intense, ok? On va se faire 5 exercices en 5 séries de 15 répétitions avec 30 secondes de repos. Et comme je t'ai dit, pec, épaule. J'ai mes haltères qui sont là, j'ai ma bouteille d'eau et on va aller. Premier exercice, on va faire du développé couché, haltères au sol. Alors, très important, hop, je mets mes haltères là. Mes haltères qui sont hyper froides parce que je les ai prises hop, au garage. Très important, pour bien sentir les pecs, quand tu fais ton développé couché, il faut que l'arrière des épaules touche le sol. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que tu simules le mouvement et tu dis que tes épaules doivent toucher le sol. Donc, je baisse hop, un peu mes épaules, mes omoplates, afin qu'il touche bien le sol. Et là, j'ai ma position pour bien sentir les pecs. Fais ça, tu verras. Au début, on est normal. Tu baisses un peu les omoplates au sol. Et voilà. On va bosser dans cette position-là. Ok? Comme je t'ai dit, 15 répétitions. Hop, 5 séries. Donc, je prends mes haltères. Hop. Voilà. Et on va partir. Je suis en position. On y va, les coudes, ils touchent le sol. 90, ok? On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. Oh. Bien évidemment, mon téléphone s'est verrouillé, hop. Repos 30 secondes. Là, on prend un temps de repos assez court, histoire de bien travailler aussi l'endurance musculaire. J'oublie pas de faire mon petit trait sur ma feuille. C'est important. Ah, la formation que je fais, elle est très très dure. Aujourd'hui, on a fait du cardio, avec des tractions, avec des pompes, renforcement au niveau des jambes. C'était très compliqué. Oh. On repart. Allez. Hop. Voilà. On y va, on se place et on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Oh. Temps de repos, tu vois? On n'a pas l'habitude de faire ça ensemble. On fait des séances beaucoup plus light, beaucoup plus posées, même si on prend des charges un peu plus lourdes. On a du temps de contraction sur certains exercices. Mais là, voilà, on travaille différemment. C'est un peu plus dur. Le souffle, ça va être plus compliqué. Les muscles vont commencer à tétaniser un peu plus vite si tu as beaucoup de muscles. Si tu n'as pas beaucoup de muscles, ben, tu vas sentir peut-être plus de douleur, tu vois. Mais on en a besoin. C'est important. Et là, on repart pour la troisième. Allez, hop, on se place et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Temps de repos, c'était la troisième. Là, tu vois, je te fais ça dans la chambre. Parce qu'aujourd'hui, il fait tellement froid, c'est incroyable. C'est trop, c'est trop. Là, on a fait sport dans le froid. C'était un délire.
C'était un délire. On dirait qu'on était dehors. On était en intérieur, mais on dirait qu'on était dehors. C'est trop. Donc là, au garage, c'est pas possible. Même là, les haltères, c'était au garage, elles sont froides. Je sens que même demain matin, elles seront encore froides. C'est trop. On repart pour la quatrième. Allez, hop. On se place et on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Oh. Hop, c'est parti. Quatrième, il en manque une. Là, tu vois, on fait des reps assez rapides. Ça fait mal, ok? Ça fait mal, mais ça qui est bon. C'est comme ça qu'on bosse bien. En renforcement. Et là, comme j'ai dit dans ma vidéo, là, j'ai perdu 2 kilos en une semaine. Tellement que mon corps n'était pas habitué. Ça va être un peu plus dur pour perdre du poids pour les autres semaines. Mais ça va me servir pour faire plus de traction et être plus à l'aise le renforcement. On y va pour la dernière. C'est parti. Allez, hop. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Oh. Je mets mon temps de repos, mon trait. Là, très important. Tu prends 1 minute ou 1 minute 30 de repos. Ok. Et on part sur l'exercice suivant. Deuxième exercice, on part sur la même chose mais avec une prise un peu plus large, ok? Ça veut dire que là, au lieu d'être comme ça, on va chercher à écarter. Ça, c'est bien pour avoir des pecs bien étirés aussi. Mais pareil, on est là pour renforcer, d'accord? On est là pour renforcer. Renforcer et se dessiner aussi. Parce que oui, il faut être un athlète performant. Mais voilà, tu connais avec moi, on bosse aussi l'esthétisme. C'est important. Donc, on part aussi sur 5 séries de 15 répétitions, 30 secondes de repos. Hop, on prend les haltères. Je suis juste bien placé. On se met en position de base. On écarte un peu plus. Et là, normalement, on aura moins d'amplitude. Tu vois? Mais c'est ça qu'on va chercher. C'est important. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouh. Temps de repos, 30 secondes. Je mets mon petit trait. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra quand je fais l'exercice, mais cherche à bien écarter, d'accord? Tu ne mets pas les bras à hauteur des épaules. Écarte un peu plus, c'est important. Histoire de bien sentir, hop, ici, là, les pecs en largeur, c'est important. On va bientôt partir, tu vois, le temps de repos, il est très, très rapide. Mais, enfin, très, très court. Enfin, court, rapide, de toute façon. Hop, c'est pareil. Allez, on y va. On repart, on écarte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Ouh. Je mets dans le repos. Hop. Oh. Tu vois là, on fait des reps rapides depuis tout à l'heure. Ça, tu peux te poser la question, pourquoi on fait des reps rapides? C'est comme ça qu'on bosse en endurance musculaire et en renforcement. Avec le temps de repos court aussi. On bosse en endurance musculaire. On repart. Allez. Hop. Plus large possible. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Ouh. Normalement, là, tu devrais te sentir bien, là. Tu devrais te sentir bien. Ouh. Nous, ce qu'on fait, nous, là-bas, c'est incroyable.
Là-bas, c'est incroyable. On court, après on fait des pompes, après on fait du gainage, pendant que les autres y courent. Temps de repos inexistant pour certains exos. Franchement, c'est trop. C'est vraiment trop. Faut être prêt. J'ai sous-estimé le bail. Faut être prêt. Bon, on repart. Hop, c'est parti pour la quatrième. Allez, on y va. Hop, on écarte au maximum. C'est parti. Une, deux, trois, quatre. Allez, cinq, six, c'est rien. Sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Ok. Ouf. Tu vois, les petites séances renforcement, c'est des séances cool parce que si par exemple plus tard tu veux être fort à la salle de sport, soulever lourd, faire des répétitions longues et tout, t'as besoin de ça, t'as besoin de renforcement, ok? T'as vraiment besoin de renforcement. Si tu pars en colonie de vacances ou quelque part, tu pars en vacances, tu veux faire le malin en montrant tes performances, t'as besoin de ça, endurance musculaire, performance, renforcement, t'as besoin. Éviter les blessures, être beaucoup plus fort, t'as besoin. On fait la dernière. Allez. Allez, on écarte au maximum et on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Ouh. Ok. Je mets mon temps de repos. Mon cinquième trait. Et on est bien. Bon. 1 minute 30 de repos, comme on a dit. Et on passe au troisième exercice pec. Troisième exercice. Là, on va bosser en prise neutre. Histoire de bien bosser la partie latérale, bien dessiner la partie latérale au niveau des pecs. Une partie que voilà, j'ai envie de développer. J'ai envie de dessiner un peu plus. Parce que voilà, mes pecs, ils sont bien, mais j'ai vraiment envie de bien les dessiner, travailler toutes les parties, tous les côtés. Ok, donc on va faire ça bien, tranquillement, sous le même régime. C'est-à-dire 15 répétitions, 5 séries, 15 répétitions avec 30 secondes de repos. Alors, pour cet exercice-là, hop, je me place bien. Hop, je vais en position. La prise neutre, moi j'aime bien baisser un tout petit peu les haltères, les ramener là, tu vois, à peu près. Et je monte. Tu vois, histoire de bien se focaliser sur le bas des pecs. Là, on va pas ramener les haltères là, on va descendre un petit peu. Ok? On fait ça bien, 15 répétitions. C'est parti. Les coudes vont toucher le sol à chaque fois. Ils vont pas taper le sol, ils vont toucher le sol. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouf. Allez. Là, ça fait un peu plus mal avec tout ce qu'on a fait avant. C'est normal. Par contre, toi, faut pas que tu roules là-bas. Ah. Plus demain, je sais pas ce qu'on va faire en sport, mais demain, ça va être rude apparemment. On va beaucoup courir. Parce que oui, on travaille beaucoup l'endurance cardiovasculaire. L'endurance musculaire, j'en ai beaucoup, j'en ai énormément. Je suis content, je suis fier quand je me vois faire les séances et pas être fatigué. Mais l'endurance cardiovasculaire, c'est vraiment ça qu'il faudrait que je bosse. On y va, on repart. Allez, hop. Mets les haltères bien en bas et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh! On est bien, on est bien, on est bien. Hop. On est à 2. Et là, je ne cache pas, je mange bien. Là, je mange bien pour l'instant. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Je me suis fait un petit blanc de poulet avec une sauce champignon allégée. Sauce à la crème. J'ai mis un cube de bouillon de poulet dans la sauce. Comme ça, la sauce a un bon goût de poulet. Je mange du poulet, ça fait un rappel cool. Donc j'étais content. Mais j'ai failli vomir quand on a fait le suicide.
C'était chaud. On repart, c'est parti. Tu vois, c'est court, mais 5 est bon. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouh. Je cache pas. Compter, ça devient difficile pour moi. Mais bon. J'ai besoin de compter, c'est sûr. Si tu me suis, tu vois, je compte pour toi en ensemble. N'oublie pas de boire. 3 gorgées maximales, pas plus. Il nous en reste 2 et on est bien. On repart dans 3 secondes. Hop. Allez, on y va. On valide ça. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. Allez. Hop, je suis en temps de repos. Très bien. On a 4. Il en manque une dernière. Une dernière et on est bon. Tu vois, le renfo, ça fatigue, hein. Ça fatigue. C'est pas la même fatigue que la muscu, mais moi, ça me fait du bien et j'en ai besoin. Comme ça, tu verras, on va faire 20, 30, 40 tractions. On sera tranquille. On repart pour la dernière. Allez. Ouh. On y va. 1, 2. Ah non, là j'ai pas fait en neutre, j'ai fait n'importe quoi, excuse-moi, j'étais trop pressé de finir. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, tu vois, j'étais tellement fatigué que j'ai fini, hop, en développé couché normal. Oh, ça c'est parce qu'on bosse trop aujourd'hui et je me repose pas assez malheureusement. Je mets mon cinquième trait quand même pour valider. Mon temps de repos, on part sur 1 minute 30 de temps de repos et on passe à la suite. Exercice épaule, renforcement épaule. Quatrième exercice, on part sur la phase épaule. Donc moi je reste à genoux mais tu peux le faire debout, d'accord? Moi c'est juste pour des raisons de cadrage. Mais j'aurais préféré le faire debout. On va faire des élévations latérales. Tranquillement, tu peux le faire soit avec des haltères, soit avec des disques, tu prends tes disques et tu fais tes élévations, ça marche aussi, tout dépend de ce que tu as en matos et tout. C'est plus pratique avec des haltères, mais bon, si tu n'as pas le choix, tu prends des disques. Même régime, 5 séries de 15 répétitions et repos, 30 secondes, c'est parti. Pour rappel, l'élévation latérale, hop, on prend les haltères, on lève et on descend. Cette fois-ci, on va pas aller vite, d'accord? On va faire un mouvement normal parce que une blessure à l'épaule est vite arrivée et j'ai pas envie, vraiment pas envie de générer une tendinite. Donc, on va faire ça bien, d'accord? Et je veux pas que tu te blesses aussi. Donc, c'est parti, hop, on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Temps de repos. Tu vois, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de muscu. Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de muscu pur, à proprement parler. Enfin, muscu avec des poids. Là, je sens déjà une congestion. C'est un truc de fou. Parce que on fait que du poids de corps. Pompe, traction et tout, je suis congestionné, mais c'est pas pareil. Tu vois, ce que tu soulèves avec des poids, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. On arrive à 30, on repart. Ça passe vite. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, super. Deuxième trait, on est bien.
Hop, temps de repos. Au niveau des charges, essaye de ne pas prendre des charges trop élevées, d'accord? Trop hautes. Je ne l'ai pas dit au début, mais là, comme on est dans une série de 15 répétitions, un repos court, ben, tu vois, si tu mets trop lourd, ben, tu seras trop fatigué, d'accord? Donc, essaye de mettre une charge entre basse et moyenne, et pas entre moyenne et lourde, ou moyenne, ok? J'espère que je me suis bien fait comprendre et on repart pour le troisième. C'est parti. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Très bien, trois. Il nous en reste deux et on a validé. Très important pour les épaules. Essaye de ne pas dépasser cette ligne-là, d'accord? Moi, j'aime bien rester un tout petit peu en bas. Si tu dépasses cette ligne, c'est tes trapèzes qui vont travailler, d'accord? Et moi, à partir de là même, les trapèzes y prennent parce que j'ai les trapèzes en point fort. Donc, moi, je m'arrête ici, tu vois, j'essaie de ne pas trop lever. C'est important. Si tu as des trapèzes en point fort, fais attention, ok? Parce que avoir des trapèzes plus grosses que ses épaules, c'est pas très beau, selon moi. Allez, on repart. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Ok. On est à quatre. On est à quatre. On est bien. C'est la dernière. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Mais bon, on est là pour se renforcer, pour devenir plus fort, pour devenir plus endurant, pour faire de meilleurs exos. Et même si tu fais un peu street workout, ça peut être bien, ça peut être efficace, hein. Tu veux faire des figures impressionnantes, acrobatiques, bah faut être fort, faut avoir des muscles forts, des muscles performants. Donc il faut faire ces exos-là. Même pour limiter le risque de blessure, juste ça, c'est bien. C'est la dernière, on y va, on fait ça bien. Allez, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, super. Hop, je vais montrer mon temps de repos tranquillement. Bon, on part sur 1 minute 30 de repos, tranquille. Et on part sur le dernier exercice, épaule. Dernier exercice, on va faire ça bien. Élévation frontale avec haltère. Alors, pour ces élévations frontales avec haltère, on va prendre des haltères en prise marteau. Si tu n'as pas d'haltère, enfin, normalement, si tu as fait ce programme-là, tu as des haltères. Tu peux prendre des disques aussi, mais c'est mieux avec des haltères. Clairement, sinon, tu vas galérer avec des disques. Hop, on va faire ça. Travailler l'avant des épaules, mais aussi la petite veine du biceps. Si tu me suis, si tu suis les programmes, si tu me connais, tu sais que c'est important. Tu sais que c'est très important pour moi. Donc on va faire ça bien, on va travailler ça bien sous le même régime de 5 séries, 15 répétitions, 30 secondes de repos. C'est parti, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le plus dur, c'est de rester bien, bien droit. Franchement, c'est pas facile. C'est un exercice où aussi tu peux et tu dois le faire debout. Moi, si je le fais dans cette position-là, c'est juste pour le cadrage, d'accord? Pour avoir un cadrage cool, ok? Mais tu peux le faire debout aussi. Notamment si t'as mal au genou, tu vois, parce qu'on n'a pas tous des genoux solides comme moi. Donc voilà, on va bientôt repartir. C'est bon, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14, 15. Super. Temps de repos. On est cool. On est bien.
C'est la deuxième. Là, après, il faut que je fasse ma gamelle pour demain. Très important. Faut que je mange. C'est compliqué, hein, tu vois. Essayer de faire vivre la chaîne YouTube tout en gérant la formation à côté, c'est pas facile, mais bon, on doit faire du contenu, on doit faire grandir la chaîne, sachant que la chaîne, on va pas se mentir, elle me finance un tout petit peu, ça me fait du bien. Donc on va pas cracher dessus non plus. C'est parti. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, on va aller chercher, 14, 15. Ouh. Temps de repos. En général, je prends le même poids que ça pour les élévations latérales et les élévations frontales. Comme ça, je gagne du temps. Les épaules, on met jamais lourd, ok? On met jamais lourd. En plus, ouais, je viens de trouver une variante. Si tu veux le faire avec un poids, hop, tu peux le faire comme ça. Hop. Ok. Ça sera bien aussi. Ouh. On va repartir. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14, 15, ouais. Ouh. Hop. Temps de chrono. On a 4. Il nous en manque une dernière et on valide ça proprement. Tu vois, je suis un peu plus fatigué. Je suis un peu plus fatigué, pardon. Parce que je compte en même temps. C'est incroyable. Et aussi là, je commence à voir les douleurs de la séance que j'ai faite aujourd'hui commencent à venir, tu vois. Tout commence à venir, c'est incroyable. On va repartir parce qu'il faut respecter les 30 secondes de repos. Comme on a dit, le temps de repos fait partie de l'évolution physique. Allez, on y va pour la dernière. 1, 2, 3, c'est la dernière. 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Oh, j'ai failli débrancher mon micro. Incroyable. Hop. On a validé la séance. On peut boire de l'eau tranquillement parce que j'en ai besoin. Oh. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette séance. J'espère que tu l'as kiffé. Je vais essayer, de te faire des renforcements musculaires pour les autres groupes musculaires, pour tous les groupes. Si, normalement, j'ai le temps et je suis pas trop fatigué, on va essayer. Après une séance de sport, après une séance de cours, hop, on rentre, je te filme une séance, je te la partage, comme ça, on est bien. Et comme ça, voilà, on va tous évoluer ensemble, tout dépend de nos objectifs. Bien entendu, je te ferai aussi des programmes au garage. J'attends un peu, d'accord? Histoire de bien me stabiliser avec ce qu'on fait là-bas, là. Et tout se passera bien. En salle de sport, enfin au garage, je te ferai le programme type 2, ok? Je pense que je te le ferai soit fin décembre, soit début janvier, ou je te le proposerai pour janvier, histoire de bien commencer l'année. Et puis voilà, hein? Se passera bien. Bon, si t'aimais cette petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire, tu connais, c'est la récompense. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait, on va bientôt arriver à 10K. Donc j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force. Et moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what in the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'd be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk.